Allez, voilà, nous avons retrouvé la possibilité de vous retransmettre la fin de cette partie. On est désormais sur le score de 11 à 1. Vous avez vu, grosse accélération des Bleus qui, pour le moment, sont vraiment au-dessus des Noirs et Vertes, hein, de l'équipe Valmont-Bure, une équipe plutôt locale hein, qui était passée par les qualifs pour accéder à cette compétition. Allez, Anne-Marie Valmont qui vient donc frapper cette boule. On rappelle, hein, partie au temps et la partie a démarré à 16h30. On est à la quasi demi-heure de jeu. T'es en combien au niveau? T'es sur quoi là? Sur la clé? Allez, je pense qu'il en manque un petit peu pour Charlotte Darod. Charlotte Darod, hein, on rappelle, championne du monde tête à tête cette année, Almeria. Elodie Estève, espoir française hein, qui n'a pas été sélectionnée alors qu'elle avait déjà fait partie et intégré le staff France, mais cette année elle n'a pas été retenue pour. Voilà, allez, on rappelle hein, 11 à 1, hein, ça va être compliqué, mais on ne sait pas. Avec deux grosses semaines, on pourrait revenir dans la partie. Il reste quand même une demi-heure de jeu. Voilà, c'est fait. Beau carreau de Anne-Marie Valmont. Anne-Marie Valmont, licenciée à l'AS, l'aérosport de Cannes. Cannes Aérosport, pardon. Alors, on va vous mettre le classement des féminines à l'issue de cette première partie. De façon à ce que vous puissiez suivre. Actuellement, c'est donc Céline Le Bossé et Charlotte Roux hein, qui sont en tête. À la différence de points, je rappelle le règlement. 4 parties jouées pour les féminines. Un classement. Et pour chaque partie gagnée, vous avez donc les gagnantes qui jouent contre les gagnantes. Et le goal average est très important hein, pour la qualification pour demain matin. Et je pense que le coup de main d'Elodie Estève a été fatal. Hein. Je pense qu'elle n'a pas gagné cette boule. Enfin, on dirait de derrière. Hein. Voilà, on peut vous garantir sur cette place de la République à Fréjus où il fait chaud mais il y a un petit air marin qui fait du bien. Vous voyez la tribune est un petit peu vide derrière vous mais par contre c'est plein sur les côtés à l'ombre. Hein. C'est plein 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 et on attend encore beaucoup plus de monde pour les parties on va dire encore plus intéressantes ce soir et le feu d'artifice ainsi que le marché nocturne qui sont situés à allez 40 mètres de nous. Voilà. Allez. Voilà, c'est une mène de 2 points hein, pour l'équipe des Noirs et Verts. Voilà, et Vincent Baquet m'a rejoint. Oui, Sophie. Voilà. On essaie de régler un petit peu. On a quelques soucis, mais ça commence à rentrer dans l'ordre, a priori. C'est ça. Eh bien, 11 à 3. Oui. Pas facile, mais bon. Il reste encore quasi 25 minutes de jeu, à peu près. Ouais, il faudrait qu'elle refasse encore une belle mène ouais, pour ouais, se remettre un petit peu dans la partie. Elles ont une difficulté depuis le début. Voilà, c'est une partie gagnante-gagnante. À la première partie, c'est vrai que l'équipe d'Anne-Marie Valmont avait gagné une belle équipe, hein, Agnès Viens et Ludivine Lové. Ouais, il y a des gros chocs aussi hein, côté, ouais. Côté féminin. Et sur la gauche de votre écran aussi, hein, vous voyez l'équipe de Bonetto opposée à une belle équipe de Monaco de Pastore. Hein, donc sur les plans larges, vous pouvez éventuellement apercevoir cette partie.
Allez, Nathalie Bure donc au point. Qui par moment a bien pointé, mais voilà, qui par moment pas assez régulière hein, pour accrocher cette partie. Ouais, elles en voient pas bien hein, les boules, donc oui, c'est compliqué. Dans ce jeu là, et en plus en pointant debout, c'est pas si simple que ça. Voilà, au contraire de Charlotte Darod. Charlotte, hein, ouais. Qui les envoie un peu plus en demi-portée, qui les sert plus, je pense aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Techniquement, elle est quand même plus à l'aise que sa partenaire, que son adversaire. Et c'est pas droit. Anne-Marie Valmonte qui tire toujours, voilà. La première est pas arrivée, que oh la deuxième. Et là, elle est allée faire le devant de boule en plus avec la boule qu'elle a tirée. Ouais, là, ça, la partie se complique. Ça complique vraiment les choses. Il y a 4 boules encore en face. Eh ben, il faut essayer de faire pareil, hein, par un petit devant de boule, ou éventuellement d'embouchonner pour sauver la. Alors, ce sera pas celle-ci. Non, non, non. Alors, je crois qu'on va tirer au bouchon, hein, Anne-Marie Valmonte, c'est ce qu'elle dit. Ah, ben, une boule en plus, hein, pour le taper, hein. Alors, est-ce qu'elles sont d'accord? Allez, c'est parti. Ouais. Tire au bouchon d'Anne-Marie. Il reste plus que ça pour sauver la main. Hein. Ouais, mais c'est et compliqué même la partie. À sortir. Il y a du. Oula, non. Ouais, pas droite. Il y avait du chemin à faire. Il y avait des boules qui pouvaient gêner en plus. Je crois que Sophie se dirige vers la deuxième victoire de Charlotte Darod et Elodie Estève. Hein. Ouais. Alors celle-là elle a dû gagner. C'est ça. Allez, il y a 4 boules pour voilà, taper, déjà ensuite frapper, pour rajouter. Ouais, ça devrait être la fin logiquement. Le DST qui a très très bien tiré hein, durant toute la partie. Ouais, tire tout au poignet en plus Elodie hein, là. Ouais. Elle n'a pas un geste très, très ample, hein. Elle fait pas beaucoup de chemin, mais elle a fait une belle, belle prestation. Et là, donc, il y a 4 boules hein, maintenant pour rajouter le dernier. Et ben voilà, fait. À la première, ce sera fait. Voilà. Sophie est en train d'éternuer et on va la retrouver dans quelques instants. Bon, bah, une partie à sens unique, hein, oui. Sophie, même si on a eu quelques petits soucis de technique pour... vous la présenter, mais partie. Honnêtement, les bleus ont été largement au-dessus. Ouais. Et donc, logiquement, elle s'impose dans cette deuxième partie. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de régler un petit peu tous nos soucis techniques. Et puis, on va se retrouver à 18h pour une partie du troisième tour hein, masculin. Troisième partie, très belle partie. Hein, qui va opposer l'équipe de Vigo Dubois, Kenzo Dubois et Ben Molinas. À l'équipe de Ludovic Montoro, Simon Cortès et Frédéric Bauer. Voilà. Donc, gros choc, une partie de gagnant-gagnant. Hein. Deux équipes qui ont gagné leurs deux premières parties. Tout à fait. Et donc, troisième on partie. On commence pour, à jouer là, quasi les parties pour se qualifier demain matin. C'est hein. ça. Donc, on rappelle, les 16 premiers dans la compétition masculine, les 16 premiers seront qualifiés pour demain matin, dans le concours A, on va dire. Et par contre, les 16 suivants seront dans le concours B. Et quant aux 32 autres, ils rentreront chez eux. Ou pas, Sophie, ils regarderont peut-être, ils resteront avec nous. Oui, mais en tout cas, ils ne pratiqueront plus c'est ça. Sur le carré d'honneur. Allez, ben, on se retrouve donc un petit peu avant 18h pour cette belle partie du troisième tour hein, masculin. Et puis ensuite, on sera ensemble toute la soirée, hein, jusqu'à très très tard dans la nuit, comme on vous l'a dit. Pour la suite de ce mondial, Laurent Barbero, à tout à l'heure les amis. À tout à l'heure.